Quichua. Veuillez vous asseoir. President, please be seated. The court is now in session. Reprise de l'audience. Et la parole est donnée to the co-prosecutor to resume the questioning. Co-procureur national pour continuer avec son interrogatoire. Thank you, Mr. President. Procureur, merci beaucoup, Monsieur le Président. To start, I would like pour to commencer, show j'aimerais two montrer photos. Deux photos. One of which was taken une from E3 desquelles a été prise 10-7-14 said the co-prosecutor. And another document 114. Is un autre document taken est from E3-10-7-15. I would like to j'aimerais ask for clarification from the witness. Demander des précisions I would like to know if de la part the du témoin et j'aimerais savoir si le two témoin connaît in les those deux photos. Individus sur ces photos. These two individuals ces deux individus in the protection unit travaillaient dans l'unité de protection de Sao Pim, donc j'aimerais demander la permission au président pour montrer ces photos aux témoins.
Yes, you can show the photos. On vous l'autorise. Vous pouvez montrer les photos. Co-procureur, Monsieur le Président, donc j'aimerais demander votre permission pour projeter ces photos sur l'écran. The first photo donc is la from première photo E3 vient du document E3/10715 Léorène en Khmer 01 3 7 9 36 01 3 8 3 8 1 180, ça c'est le RN anglais. Mr. Witness, donc, témoin, in relation to the photo on the screen, vous voyez cette photo do sur you l'écran? Recognize or know est-ce que the vous individual reconnaissez in the photo? L'individu sur cette photo? Réponse? Witness, did not hear you, Mr. Coplo. Je ne vous ai pas entendu, Coprocureur. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Hello, slap me on the co-prosecutor. Le co-procureur, est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes, le témoin, oui, 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 je vous entends clairement. Co-prosecutor, le co-procureur, Mr. Winner, témoin, please look at the photo, regardez donc cette photo, in the photo et regardez do la personne sur cette photo. Who, est-ce que is? Vous vous rappelez de qui c'est? Nim. Winner, he is Nim. Le témoin, oui, c'est Nim. Mon Nim, né. Winner. Question. Nim, let me tell you, ou le témoin, may have been the Nim driver était for peut-être South le chauffeur de Sao Pim. Co-procureur, merci, Winness. Témoin. And I would like to ask et the j'aimerais demander to à la régie photo de from projeter une autre photo de E3/10715 Khmer ERN 3279 30 and English anglais 0 1 3 2 7 9 3 6. The Khmer ERN donc is le RN en Khmer 01 3 2 7 9 3 0. And English en anglais 01 3 2 7 9 3 6. Kang Sato Ban Present. Le président. A unit. Régie.
President, le président, Mr. Deputy Co-Prosecutor, co-procureur, est-ce que vous avez donné la photo à la régie pour que la régie puisse projeter cette photo? Est-ce que vous pouvez donc maintenant donner une copie imprimée de la photo aux témoins et ensuite vous pouvez indiquer les ERN, le coprocureur. Une autre photo vient donc du document E3-10714, Khmer 01-3279-30, ERN anglais 01-3279-30-36. Mr. Witness, témoin, could you have a look at that donc, photo? Veuillez regarder cette photo. Et est-ce que vous reconnaissez la personne sur cette photo? Réponse. Witness. Thank you. Merci. After I have a look, après avoir regardé cette photo, the photo, his real name is Ung. Donc je sais que cette personne this s'appelait Ung. May have, cette personne known a lot about the peut-être facts. Savait beaucoup beaucoup Ung de choses. Working with Ung Sao travaillait Pim. Avec Sao Pim. Thank you, Mr. Witness. Question, merci, témoin. And I would like to maintenant, j'aimerais the written records of the two lire of these two individuals. Donc les procès-verbaux de ces deux individus. Used to speak to the document donc, center of Cambodia, ils that is ont été questionnés par le CDCAM. Mais avant de lire you, leurs procès-verbaux, like j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Hier, à 3h de l'après-midi, à 3h09 plus précisément, vous avez dit que vous avez dit à Sao Pham que Pol Pot avait trahi. Did not believe in your explanation, and Sao Pham then replied that it was Sun Sen that betrayed us, qui nous avait trahi. And you stated that if Sao Pham had attempted to flee at the time, the three soldiers from C Division could defend him and could secure his safety at the time. You have also stated that Nom Sim was a driver était un chauffeur for Sao Pham. Un des chauffeurs de Sao Pham. And that et document ce is document at ERN 01-03-05-05-01. That is ERN document E3-717. That document is the interview, et donc l'interview conducted by Long Dani, qui a été menée par Long Dani. I would like to read et j'aimerais lire as follows. President, passage. Mr. Co-Procureur, could you specify the name once again? President, I have heard Co-procureur, est-ce one que vous time pouvez you said donner Nim le nom? And another time vous avez dit you Nim said et ensuite vous avez dit you pronounced you had a different pronunciation. Vous avez prononcé le nom sous une autre prononciation, donc je ne pense pas que vous prononciez le nom correctement. Co-procureur, Mr. President, my Monsieur le Président, je m'excuse, peut-être c'est effectivement Nom mon erreur. Nim. Il s'agit de Nom Nim. This individual cet individu the interview to a été donc a staff from DC Camp, questionné Long par Dani. Long Dani du CDCAM. I would like to read et j'aimerais the lire ce qu'il Long a dit. Dani. Long Dani. What did he say qu'est-ce qu'il vous a dit to your recollection? Long Nim, Long answered, Nim répond. I did not commit any mistake. Je n'ai fait aucune erreur. I arrived at the je Kul suis arrivé location, au Long Dani. À Kul. Where? Ça s'appelait Kul. Long Dani. Où? Long Nim. Long Nim. The place, the location of a port. Où était port? I did not arrive at that location. Long Dani. Je ne suis pas what arrivé là-bas. Long Dani, qu'est-ce Long que vous avez dit? Long Nim. He said that he il a dit arrived at the location qu'il est arrivé Long Dani. À ce lieu, Long Dani, qu'est-ce qu'il a dit? Did he say that est-ce he did not commit any mistake? Qu'il n'avait commis aucune erreur? Long Nim, Long Nim il said that, a dit he did not commit any qu'il mistakes. N'a commis aucune erreur, Long Dani.
Did he attempt to go to Phnom Penh? Est-ce qu'il a essayé d'aller à Phnom Penh? Long Nim. Long Nim. Yes. Oui. Long Dani. Long Dani. Did he attempt to flee? Est-ce qu'il a essayé de s'enfuir? Long Nim. He did not try to flee. Il n'a pas essayé de s'enfuir. If he had a plan, he would have been successful. Il aurait réussi à le faire. My question is, ma question est donc, what is your reaction quelle est votre réaction par rapport à cet entretien par rapport à ce que Long Nim a dit au CDCAM? Réponse. Witness. I do not have any reaction. Je n'ai aucune réaction particulière. That interview, Long Nim était le chauffeur de Sao Phem. I do not have any reaction to that statement. Je n'ai rien de spécial à dire. Long Nim knows a lot. Long Nim sait beaucoup de choses. Mr. Co-prosecutor, question. Thank you. Merci. I still have another question. J'ai encore une question. Yesterday you pour que that vous puissiez nous donner des précisions, vous nous avez dit hier que Ng était quelqu'un qui a réussi à s'enfuir. Vous avez donc parlé avec Ng plus tard. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre quel était le contenu de votre conversation avec Ng? Answer. Réponse. Thank you. Merci. I did not have a long discussion. Je n'ai pas eu une très longue discussion avec lui. Ask him. Je lui ai demandé qui went with. Avec qui Sao Phem était parti. The photo, in the photo, the individual's name was. Sur la photo, la personne Ng, s'appelle Ng. The security guard of Sao Phem. Il s'agit donc du garde de Sao Phem. He m'a dit Sao Phem. Qu'il est parti avec Sao Phem. Co-procureur, thank you, Mr. Witness. Témoin. To refresh your memory. Donc pour rafraîchir votre mémoire, The visit of Sao Phem en ce qui concerne Araxat, I would like to, la visite de Sao Phem à Araxat, j'aimerais donc vous lire un extrait like d'un document et j'aimerais que vous réagissiez à ce document. L'extrait vient du document, the statement of Sung Ng, vient donc de la déclaration de Sung Ng, interview to DC qui a été questionné par DCCAM, donc E3 1 Khmer 01 3 4 0 5 8 7 jusqu'à 8 8. It's a bit long, c'est however, long, it is necessary for ascertainment, for the ascertainment of the truth. La vérité. Dani asks Ng, Dani demande you donc stayed à at Araxat for one night, Ng answers, vous êtes resté à Araxat pour yes. Une nuit, réponse, oui. When we arrived at Araxat, there was rain. Il pleuvait. When we arrived at Araxat, et quand nous sommes arrivés à Araxat, we did not have time to rest. On n'avait pas eu le temps de se reposer. On voulait aller directement à Phnom Penh. It was raining il pleuvait ce jour-là. And we had to stay et il fallait qu'on reste à Araxat. Those who were et ceux qui Araxat, étaient à Araxat s'étaient enfuis à l'époque. That those people et ces gens-là se sont enfuis vers les plantations. Et ces gens-là lui ont dit, please do not s'il vous plaît, go. Ne partez if, pas. He goes, si il part, he would be arrested. Il sera arrêté. Donc nous sommes restés là. At night, et la nuit, they came to ils sont us venus pour nous encercler at us. Et ils nous ont tiré Long dessus. Who Long came Dani. To surround qui est venu vous encercler? I do not know. Je ne sais pas. Le président. You may not present, Judge Lavergne. Juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, je note que ce document d'abord n'existe qu'en Khmer. Il contient 70 pages. Est-ce qu'il serait possible d'avoir au moins un ERN ou un numéro de page? Parce que pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui est lu, de l'endroit où l'extrait du document. Of the extract of this document. Samrang nang khom an EN mang khom jom riep hai ke co-procureur. Le ERN that is 01 34 04 05 88. Page 8, number la page is 57. C'est la page 57.
and 01 34 05 87, that is page 56 and 88 57. Donc c'est la page 56 là. 7. Il s'agit de la page 56 et de la page 57. Réponse de Eung, je ne sais pas, mais quand il est arrivé là-bas, il a montré une lettre pour qu'il puisse aller à Phnom Penh. And he et told the il a messenger dit to au bring messager d'apporter cette Pol lettre à Pol Pot. The messager a été donc repoussé. Et donc il a montré une autre lettre pour un autre messager. Et l'autre messager a été renvoyé. Danny. Is the name? Quel est le nom? Eung. I do not know his name. Je ne connais pas son nom. He was young. Il était jeune. He was chased back and there was on no reply. Chassé et il n'y a pas eu de réponse. Aucune réponse. At the time, we did not have any phone communication system. On ne pouvait system. Pas communiquer par téléphone. Then he realized et that il a ensuite compris there was perhaps a plan. Qu'il y avait peut-être un plan. He still wanted il voulait to go to Phnom Penh. Encore cependant Danny. Aller à Phnom Penh. What Danny. Was the content of the letter? Et qu'y avait-il dans la lettre? Quel the était le contenu de la lettre? Is that he dans la lettre, il était marqué Ariksat. Qu'il était arrivé à Ariksat. Please, comrade. S'il vous plaît, camarade. Receive me. Est-ce que vous pouvez I me recevoir? Je suis arrivé à Ariksat. Je suis venu the shortcut road. Par I did not use le chemin the, le plus rapide. Ferry. Je n'ai pas pris le ferry. That was written in the letter. C'était ça qu'il y avait décrit dans le dans la lettre. Phnom Penh. Et donc un messager a apporté la lettre à Phnom Penh. Danny. He arrived at Ariksat and donc il est arrivé à Ariksat. Il a demandé donc aux camarades de le recevoir. Oui, il a demandé à ses camarades de venir le recueillir à Ariksat. Mr. Winners, témoin, did Eung est-ce que Eung a eu une discussion similaire avec vous quand vous l'avez rencontré? Et sinon, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez une réaction quelconque par rapport à ce que je vous ai lu? Thank you. Témoin, merci. Réponse. I do not have any non, reaction je n'ai aucune réaction reading. Particulière. I do not know about this issue. I am not informed je n'ai of pas it. Été informé. So how could I give donc, comment est-ce que je peux réagir? J'en sais rien. Statement he comment made? Est-ce que je peux réagir aux déclarations qu'il a faites? I mean, Eung was very well informed. Était très bien informé. Co-procureur, thank you, Mr. merci. Winness, and témoin, thank you, Mr. Et President. Merci, Monsieur le Président. I think I've said it before. From experience, it's not very conducive to read a lengthy lire un extrait si long à un témoin et demander à une réaction, généralement, ce n'est pas très efficace. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Est-ce que vous voulez savoir s'il était là? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a à dire par rapport à la communication téléphonique ou au message? Donc, je ne pense pas que ce soit un moyen très, très efficace pour obtenir des preuves de lire un grand extrait comme ça et demander à des réactions. Ça ne sert pas à grand-chose. Le président, please, veuillez, international, coprocureur international, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, témoin. Je vais donc vous poser plus de questions. Pour que vous puissiez apporter and des éclaircissements par rapport à ce que vous avez dit. Et je suis content de voir que vous dites clairement ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous avez vu ou observé par rapport aux événements qui ont eu lieu. Donc, je vais commencer avec quelques questions sur votre histoire personnelle. Est-ce que vous avez été scolarisé? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre scolarité? Encore. Réponse. Witness. I
received a limited education. J'ai été scolarisé, mais pas beaucoup. Simply read and je peux lire et écrire, pas tellement plus. Thank you. So you told us vous nous avez dit hier, après-midi, à peu près 2 h moins de quart, vous avez dit que vous avez rejoint la révolution le 29 mars 1970 à Svayring. Et la raison, parce que c'était le roi qui demandait aux enfants, ses enfants, de rejoindre le maquis. Avant de rejoindre la révolution, est-ce que vous travailliez, est-ce que vous étiez agriculteur, qu'est-ce que vous faisiez? Réponse. Avant de rejoindre la révolution, je n'avais pas un emploi précis. J'étais tout simplement un agriculteur, un paysan. Merci. Donc, dans le petit extrait que j'ai lu dans votre témoignage hier, dans lequel vous nous dites que vous avez rejoint la révolution en mars 70, donc le Parti communiste a commencé sa révolte pour renverser le roi en 68. Est-ce que vous faisiez partie de cette rébellion entre 68 et le coup de London? Est-ce que vous faisiez partie de la rébellion du Parti communiste? Réponse, entre 1968 et 1970, je ne savais rien sur cette rébellion. Et quand vous avez rejoint la rébellion, est-ce que vous étiez que simple soldat ou est-ce qu'on vous a donné des responsabilités pour commander d'autres soldats? Réponse. Après avoir rejoint la révolution en 1970, je faisais partie du régiment, ou plutôt je faisais partie d'une compagnie. Question, est-ce que vous étiez le commandant ou de la compagnie ou de l'escouade ou est-ce que vous n'étiez qu'un simple soldat? Réponse. I was the head of a company. J'étais à la tête d'une compagnie. Okay, thank you. And I believe yesterday you said a company. Je pense que hier vous nous avez dit qu'une compagnie avait à peu près 120 hommes. Est-ce que c'est vrai? There were 120 soldiers under my order. J'avais sous mes ordres 120 soldats. Were you ever made a member of the party, of the Communist Party of Democratic Cambodia? J'ai jamais été membre du Parti communiste du PCK, du Parti communiste du Cambodge démocratique, pardon. Akon. Je pour khnyom ban tatua chetien ko anusna thom. I became a soldier in the company said the witness. I was never made a party member since I was trained in medicine. Étant donné que j'ai reçu une formation médicale. Was there anything on your biography that you think prevented you from being invited to be a party member? Pensez-vous qu'il y a eu quoi que ce soit qui vous a empêché de devenir membre du parti? Des informations sur les antécédents de votre famille, par exemple? អរគុណចំពោះខ្ញុំបានមកផ្លែទៅប៉ាជនពួកយើងរីប៉ែខាងប៉ែវាមិនចាំបាច់ប្រមាណទេបាទចូលក៏បានមិនចូលក៏បានដែរប៉ែដែលឡៃតែនៅសមរភូមិមុខអានេះគេចូលបាទអរគុណ អត់មានភាសាខ្មែរចេញមកសអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំ
I could not be a party member because I engage in medical training and only je those pas in être the battlefields could be party car members. Je suivais une formation médicale. Seuls ceux qui étaient Thank sur you. Le champ de That's bataille clear. Pouvaient être membres du parti. During the accusation, c'est très clair. DK regime, that is sous from le régime April du KD, 75, à partir d'avril until January 79, 1975, did jusqu'en you janvier ever 1979, undergo any political training? Avez-vous jamais suivi une formation politique? Encore. I never attended Réponse. Any political training. Non. Pour Pnaipatke. Because we were a medical part of a medical unit and Parce they que did not nous pay much partie attention to us in terms of a political study. Unité médicale et ils ne nous faisaient pas suivre Were you ever d'études sent politiques. To Phnom Penh Question, for avez-vous any kind jamais of été envoyé à Phnom Penh pour suivre une quelconque formation ou assister à des réunions sous le régime? No, for me, Réponse. I did not. Non. I did not attend any political study session in Phnom Penh. Je n'ai assisté à aucune séance de formation politique à Phnom Penh. Now you told us that Question. The conflict with Vous Vietnam actually began que le conflit avec le in Vietnam 1973. A en fait éclaté and you explained en 1973. How the Vietnamese were confiscating part of the supplies Comment les Vietnamiens that came avaient confisqué from China. Une partie des approvisionnements venus de la Chine. At that time, before 1975, before the DK, à l'époque, avant le Cambodge was démocratique, there avant any 1975, kind of exchange of populations of Vietnamese de from Cambodia and perhaps Khmer people from Vietnam de Vietnamiens du Cambodge, crossing avec the border? Des Khmer du Vietnam de part et d'autre de la frontière. As I have stated earlier, Réponse. The exchanges took place at tantôt, some border checkpoints according les, to those commanders on the ground, but as a medic, selon I am not aware sur le terrain, of those affairs. Mais en tant que médecin, je n'étais pas au courant de telles affaires. And just so we're clear what you're talking about, you're clair, talking about ethnic Vietnamese going ce dont vous parlez, from Cambodia to Vietnam, qui partaient and du ethnic Cambodia Khmer, pour le Vietnam, et des Khmer de souche, des Khmer Krom, to Cambodia. Qui partaient du Vietnam pour rentrer Is au that correct? Cambodia. Est-ce exact? Akon. I can only say what I saw. Réponse. Je ne peux dire que ce que j'ai vu. If I did not see it, I cannot respond to your question. Si je n'ai rien vu, je ne saurais répondre à votre question. But I did not listen to it. Parfois, des gens en parlaient, mais je n'écoutais pas. Well, thank you. That's what exactly what we want you to do. But I L'accusation, didn't quite understand your answer que when you said vous there was exchange Est-ce que je vous ai bien compris on lorsque border vous avez points. Dit qu'au poste frontalier, Were you talking il y avait des échanges? About Vietnamese going Entendez-vous from Cambodia par là to Vietnam? Des Vietnamiens qui partaient du Cambodge pour le Vietnam? When I refer to exchanges, Réponse. I do not refer to Lorsque any je parle d'échanges, human Exchanges. I Je speak ne parle about pas economic exchanges, that is a bartering of goods and cattle. Okay, thank you. Troc That's good. Now, after the regime began, accusation, merci. I want to ask you, first of all, so we understand what you could know. J'aimerais vous poser une question did pour you qu'on have que a radio? Did your unit have a radio Avez-vous where you would radio? Listen to? Radio Dans from votre Phnom Penh unité, and from other places. Où vous écoutiez des émissions de Phnom Penh ou des émissions diffusées à d'autres endroits. Akon. For my group or my unit, we Réponse. Did not have any radio. Dans mon unité, For that reason, we did on n'avait pas de radio. Any news.
On ne pouvait donc pas écouter les nouvelles. And how about a military radio to communicate with your commanders? Question, avez-vous une radio militaire pour commander avec vos commandants? Did your units have that between that period of 1975 until what you called the coup d'état of 25 May? Jusqu'au coup d'état du 25 mai 1978. Did your units have a radio? Military radio? D'après vos propos, est-ce que votre unité avait une radio militaire? Before the coup d'état in 1978, and I was there since 1977. We did not have any communication radio. Nous n'avions pas de communication radio. If I understood you correctly, your testimony, correct me if I'm wrong. Compris, in 77, you were sent to the front line on vous a envoyé au front, as a medic. En tant que infirmier. Is that correct? Est-ce exact? Yes, that is correct, because at the time réponse I became oui, a military medic. À l'époque, je suis devenu médecin pour l'armée. And so we understand, when you talk about the hospital, question, the regiment hospital that lorsque you commanded, de l'hôpital du régiment, was that a, que vous commandiez, something located in a building or a particular place, or was était-il it something mobile dans un bâtiment, that moved with dans the forces? Un endroit particulier, ou était-ce un hôpital mobile qui se déplaçait au gré des forces, qui se déplaçait en même temps but que les forces? Speak about a hospital. Réponse. It was a mobile hospital. C'était it was un not located in a building. Mobile. You can say it's a triage. Ce n'était pas un hôpital fixe. How many situé dans un personnel bâtiment. Were under you when you were in charge of the hospital? Question. Est-ce que vous aviez des subordonnés lorsque vous dirigez l'hôpital? Accord. There were 20 medical staff under my réponse, supervision. Il y avait 20 personnes sous ma supervision. Thank you. Qui faisaient partie du personnel médical. And were all of them like you combatants question. That also would be armed? Étaient-ils comme vous des soldats et étaient-ils armés? Medical staff réponse. Were not armed. Tous however, les membres du we were provided 4 to 5 weapons for the protection. And only when we went to the battlefront, we were given the weapons. Et ce n'est que lorsqu'on allait au front que l'on nous remettait ces armes. Thank you. Now, in the hospital, l'accusation, any of merci. Your time during the DK period, did you receive any party moment, sous le publications, avez-vous revolutionary reçu des flag, du parti, revolutionary youth, revolutionnaire, any kind ou of policies or news that was written down and distributed? Y avait-il des politiques, des instructions rédigées et distribuées d'une quelconque façon? Encore. My unit was meant réponse. To save lives of people. Mon the reason we were provided with limited information and we c'est never received any magazine. Nous n'avons pas reçu we were out of de the loop. Revue. Nous n'étions pas en ligne de mire. Can you tell us the approximate month that you arrived question. At the front line? À quel mois approximativement êtes-vous arrivé what au front? Month in 1977? En quel mois de 1977? Or if it was 1976. Ou peut-être 1976. Encore. I went there in réponse. December 77. J'y suis allé en décembre 1977. But I cannot recall the day. Mais je ne me souviens pas du jour. Okay, and so before December 77, avant décembre you were still in Prévang, but at the military hospital. Prévang, is that correct, à or were you somewhere else? Est-ce exact? Before December 77. Ou étiez-vous ailleurs, avant décembre 1977?
I was myself never best at Prevang province. Personnellement, je n'ai pas été basé à Prevang. Before 1977, où étiez-vous basé et en quoi consistait votre travail? Before 77, réponse. I was stationed at Unit 156 under Division 4, and I was never stationed at Prevang. Je n'ai jamais été basé à Prevang. Where were you stationed? Question. Où avez-vous été stationné? I was stationed at Dao Village. Réponse. Dans le village de Dao. Can you help me? Where is that? Can you tell us the question. Province and où est-ce? Where that is? Pouvez-vous nous dire la province où cette localité se situe? La village was in Bonnier Krai district. Le village de Dao est dans le district de Bonnier Krai, province de Bong Khmong. Connu actuellement sous le nom de Now at that time, did your hospital receive any casualties of those that had been injured in fighting? Est-ce que votre hôpital a reçu des blessés? This is before you went to the front line. Et ce avant que vous n'alliez au front? As for hospital 156. Réponse. We treated the wounded soldiers. We also received dead soldiers and the civilians living nearby the vicinity were allowed to receive treatment as well. Eux également étaient autorisés à recevoir des soins. And question. Killed soldiers. Ces soldats morts ou blessés. Do you know whether they were wounded and killed from fighting with the Vietnamese army? S'ils ont été blessés ou s'ils sont morts au combat contre les soldats vietnamiens. Regarding the wounded and the killed soldiers, in fact, the wounded soldiers were put into two categories. For the light wounded soldiers, we would treat them. Léger que l'on traitait. And for those seriously wounded soldiers, they would be sent to the zone hospital. Qui était envoyé à l'hôpital and de zone. They were wounded as a result of fighting with the Vietnamese troops. Ceux-ci ont été blessés au cours des so combats contre les Vietnamiens. War casualties begin. Question. When did you first start seeing them? 1975, 1977. Can you tell us? Des victimes. Était-ce en 1976, 1977? Let me talk about 1976. Réponse. At the time, je I was transferred from Swahilien to the East zone. À la zone Est. And I refer to to the period of this 76, and those war casualties et were the result of the fighting against the Vietnamese troops. Les pertes en vie humaine et les blessés résultaient des combats contre les Vietnamiens. Où se sont déroulés les combats au cours desquels ces soldats ont été blessés et tués? Casualties were the result of the fighting along the border. Les pertes en vie humaine résultaient des affrontements starting from le long de la frontière, à partir de 1977, à Kdao et so Kada. That were the spearhead of 156. C'était là le secteur de pointe so de l'unité 156. The soldiers that you would have seen in the hospital question, pour être were clair, part tous les soldats regiment que vous avez vus à l'hôpital faisait partie du régiment 156, est-ce exact?
Yes, that is true. Réponse. That is correct. Oui, c'est exact. Now, in relation to this Barracks 27, parlons de la caserne. You told 27, us that it was in Vietnam, vous avez évoqué, and vous you avez had dit been part of that military operation. Au Vietnam, et vous avez fait partie de cette opération militaire. Was that the only time, to your knowledge, that à you were connaissance. Across the border était-ce in la seule Vietnam fois où vous avez franchi before the helicopter frontière took you to Ho Chi Minh City, au Vietnam, avant que l'hélicoptère, bien or sûr, ne vous amène à Ho Chi Minh Ville? Était-ce la seule fois où Vietnam? Vous avez franchi la frontière pour mener des opérations au Vietnam? You stated réponse. That about Vietnamese 27. Vous avez parlé in de la caserne fact, vietnamienne numéro 27. Where Vietnamese troops, en fait, je veux parler d'une caserne 27 où les Vietnamiens vivaient et étaient stationnés. That's cette caserne était désignée sous le nom de caserne 27. Regarding the helicopter ensuite, that came to take me, that un hélicoptère happened est in venu November me chercher. 1978, ça s'est passé en novembre 1978 Mimot, à Mimot, troops, après and that's a separate que j'ai commencé that place later à on, combattre that when contre I was les troupes Khmer Rouge. C'est à ce moment-là que and j'ai été envoyé là-bas from, pour créer un front. Regarding the attack on the Barrack 27. Cet incident est différent de celui okay. I apologize, I thought I said Barracks 27, but let me repeat my question because you didn't answer my question. Je m'excuse, je yes, croyais avoir bien you went parlé to Vietnam on these 27, two occasions, Barracks 27, and when the helicopter oui, vous êtes allé au Vietnam à ces deux occasions, à l'occasion des opérations de la caserne 27, were there any other operations that you went on to Vietnam before the helicopter took you there? Au Vietnam à un autre moment pour mener les opérations avant que l'hélicoptère ne vienne vous chercher pour vous amener au Vietnam. Akon. Those were the two occasions réponse that I went to Vietnam. C'était les deux seules fois où je suis allée au Vietnam. And in this barracks 27. Question. Did the Vietnamese soldiers dans cette caserne 27, live with their families? Les soldats vietnamiens y vivaient-ils avec leur famille? Le savez-vous? I do not know whether réponse. They lived with their families. Je ne sais pas s'ils y vivaient avec leur famille. I did not go to that barrack myself. Car je ne me suis pas rendu personnellement dans cette caserne. Okay, thank you. I want to read to you a little merci. Bit. Je vais vous donner lecture. I do. From a statement. Before I do, let me just ask if by chance you know this person. Je vais do you know someone named si Lei Yin? Un certain Lei Yin. Akon. No, the name Lei Yin is not non, a family. Le nom Lei Yin ne me dit rien. The name is Lei Yin and not Lei Yin. C'est le nom c'est Lei Yin et no, non Lei Yin. It does not ring a bell. Okay, réponse I'd like non, to read ce nom ne me dit rien. Some passages from his statements je vais vous and lire ask des you questions de about de it. Son audition so et the je vais first vous poser is from E3/376. In English, the URN is 00 27 8690. In Khmer, it's 00 27 01 73. In French, it's 00 48 60 94. He said about 7 months before 7 January 1979, I was ordered to organize former combatants into groups for fighting the Vietnamese. All the chiefs of the group, the regiment, and the division were all the Southwest Zone cadres. We went to fight along the road to Kampong Cham and went through Vietnamese Barrack 27 into Tay Ninh province. And to be correct, in the English here it's translated as Fort 27.
My group was the raiders of about 200 combatants. Était composé de d'environ 200 combattants. During our fighting in Vietnam, my group and I threw the grenades, burned the houses, military hospital, ammunition storages, and sawmills. Des hôpitaux, des scieries, des entrepôts de munitions. And I want to ask you about something else he said before I ask the question. Read something else. It's from E3. Je vais vous donner lecture de notre extrait avant de vous poser une question. E3-470, Khmer, the ERN is 00-17-06-23. In French, 00-20-50-14. And in English, 00-20-50-09. He said, upon arriving at Kampong Cham, they gave us weapons and sent us off to fight. Envoyé combattre à Sun Vietnam, et à l'intérieur du Vietnam, village, au village de Chan Tung, province de Tay Ninh. At the time, Ta à cette époque, Ta Na, chef division, de la division 207, Ta Sa Ri, chef adjoint, nous ont donné l'ordre d'attaquer le village, d'y pénétrer et d'incendier la maison. Died, and other de nombreuses personnes ont été blessées, d'autres ont été capturées, et moi, j'ai aidé à transporter les blessés. So, my question is, before the operation est la suivante. Avant l'opération, you went on in Barracks 27, menée this is, à la caserne appears to be a different 27. Operation because he's saying it's southwest zone troops. Une autre opération, car on parle but he said zones. They were ordered to attack and burn the houses down. A couple questions. Forces first, de la zone sud-ouest was there a village there at Barracks 27? Was it maisons? In addition to a barracks, a village? Est-ce qu'il y avait un village adjacent à la caserne 27? You speak about the southwest zone. I do réponse. Not have si vous parlez de la zone sud-ouest, je n'ai aucune as information à ce sujet. Quant à la caserne 27, elle était située from villages. Loin des villages. And as I said, I do not have any knowledge about the southwest zone. Je n'ai aucune information sur la zone sud-ouest. Whether the southwest military troops je ne sais pas si attacked l'armée du sud-ouest Vietnam a attaqué le Vietnam en 1977. Okay, thank you. Then let me move pas on. Cette information, l'accusation. Je vais poursuivre. More questions that I have to you, for you. En vous posant davantage de questions. During the time that you were at the front line. Lorsque vous étiez au front. Were you exposed to fire? Were you in danger? Was this a dangerous time for you and avez-vous your été exposé fellow members of Regiment 156? Est-ce que votre vie et celle des autres membres de l'unité 156 avaient été mise en péril? As for the living condition réponse. And the fighting at the battlefront, et au combat, we were au front, exposed to all kinds of risks. Je dirais qu'on était when one was in a battlefield, we were exposed to all kinds lorsqu'on of risks. Se trouvait au front, on courait were those of you from your risques. Regiment question. And other units from the East Zone votre that were involved in that 1977 fighting, were many of you killed or wounded? Were there many casualties? Dans cette as a medic, can you comment en 1977, on that? Est-ce que vous avez essuyé des pertes en tant qu'infirmier? Est-ce que vous pouvez donner un commentaire à ce sujet? I was tasked as a medic at the front battlefield. Réponse there were not many killed front, soldiers. Il n'y a pas eu, however, je there qu'il were n'y a pas eu many wounded soldiers. Décédés, mais il y a eu de nombreux blessés. Now you talked about the events of the 25th of May, vous avez parlé des événements 1978, when many commanders were arrested. Où de nombreux commandants were these ont été commanders arrêtés. The same ones that had been fighting the Vietnamese in 1977 and earlier in 78? Qui ont combattu les Vietnamiens en fin 77, début 78? Encore.
Those commanders who were arrested were military commanders in the East zone, and of course they used to fight against the Vietnamese troops. Ils combattaient les Vietnamiens. What effect did this have on the ability of Kampuchea to defend itself against Vietnam? Ceci a-t-il eu sur la capacité du Kampuchea à se défendre contre les commanders that had been fighting against the Vietnamese? Je veux parler de l'arrestation de ces commandants qui combattaient les Vietnamiens. All military commanders at the front battlefields, while they were arrested, of course, it would have an impact. Et bien sûr, cela a eu they une were incidence. There to take charge and to lead soldiers to fight against the Vietnamese pour troops. Prendre la responsabilité et conduire were, les soldats dans les combats contre les troupes vietnamiennes. Then the forces would become weak. Alors si on les arrêtait, cela affaiblissait l'ensemble des forces. 25th of May. The words you used yesterday were question. A coup d'état. Vous appelez cet incident du 25 mai un coup d'état. Can you explain et vous dites que Pol Pot what you meant by that? Un traître. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là? I said that the 25th of May was a coup d'état. J'ai dit que l'incident du 25 mai était un coup d'état. The center army, car à l'époque, led by Kapok, l'armée du centre dirigée par Kapok, arrested people, a arrêté des gens, various departments and ministries, as well as the military dans divers personnel, ministères et départements, and they were arrested ainsi and que killed. Le personnel militaire. That's why I said that it toutes was the day that Pol Pot conducted the coup d'état. C'est pour cela que je dis. Que c'est ce jour-là que Pol Pot a fomenté un coup d'état. Also erupted in the east zone on that day. Il y a également des tirs, des coups de feu tirés dans la zone did est. You or do you consider Pol Pot a traitor? À cette époque-là. What did he betray? Question. Pourquoi dites-vous que Pol Pot est un traître? En quoi a-t-il trahi? Encore. I used the words that Pol Pot was a traitor. Réponse. Because everyone who was born wanted traître. To live his or her life, but when he ordered the soldiers car to kill people, des gens veulent to vivre torture leur vie. People, mais lorsqu'ils donnent l'instruction de tuer des personnes, de torturer les no gens, other, cela veut dire que la personne qui donne cet ordre est un traître. Il n'y a pas. Before this operation by Kapok and the rest of the commanders on the 25th of May 1978, l'opération de Kapok, had there been earlier arrests il a arrêté les in the East Zone le 25 of East Zone cadre, y a-t-il eu commanders des arrestations au préalable des cadres de la zone Est et autres commandants? Réponse. My response might be a bit long. Initially, au début, les forces de la zone Est étaient à la frontière pour combattre les Vietnamiens. Et les forces de Kapok sont venues à Tahiu, à Stone, à Noi Sa. Et c'est ce que j'ai dit hier. They were supposedly forces apparemment, to assist the ils étaient venus pour aider les forces de l'Est pour combattre les Vietnamiens, so mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils sont venus pour arrêter ces cadres à l'arrière. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils sont venus au début, ils ont dit qu'ils seraient là pour combattre les Vietnamiens ensemble, mais ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus arrêter des gens. Quelques-uns se sont enfuis. Et c'est pour ça qu'il y a eu des coups de feu. Je vais continuer jusqu'à ce que le président nous demande la pause. Merci. So when did the arrests donc, begin? Quand est-ce que les arrestations ont commencé? In what year did these arrests en begin? Quelle année? Mm.
Réponse. L'arrestation des cadres a commencé en 1978, c'est-à-dire les arrestations massives de cadres. Okay. Très bien, dit le procureur. In yesterday's testimony at about à peu près 3h06 de l'après-midi, quand vous avez témoigné hier, vous parliez de la fin de 77. Vous avez dit qu'à cette époque-là, vous étiez en guerre contre le Vietnam, que vous étiez au front, mais à peu près à 5 heures, une soirée, vous êtes dit que vous êtes arrivé chez vous et que vous avez rencontré Sao Pim. Et Sao Pim vous demandait des questions sur les combats et vous lui avez dit que les choses ne se passaient pas bien. Est-ce que vous vous rappelez de cette conversation ? I did go réponse. There oui, je suis allé là-bas pour aller voir des membres de ma famille. J'ai donc eu l'occasion de parler avec lui et il m'a demandé et je lui ai dit, je lui ai parlé de la situation des combats et que je lui ai dit que ça ne se passait pas bien. C'est ça que je lui ai dit à l'époque. Question. Et donc, quand vous lui avez dit que la situation n'était pas bonne sur le front, est-ce que vous parliez des combats avec le Vietnam ou est-ce que vous parliez d'autres choses? Est-ce que vous parliez des arrestations, des purges? À quoi faisiez-vous référence? Réponse. Thank you. I used the word not good. Il dit que les choses ne se passaient pas bien. Je parlais donc des combats. In good situation. Les combats ne se passaient pas bien. I mean, there were c'est-à-dire dangerous situations. C'était une situation très dangereuse. There were no arrests il n'y avait pas d'arrestation à l'époque parce que chaque soldat se trouvait sur le front. One side of soldiers had been arrested. Si les soldats avaient été arrêtés, would have been erupted. Bien, il y aurait eu encore, il y aurait eu une rébellion. Question. Sao Pim. Vous avez dit que Sao Pim a analysé la situation. And he said et il a dit there was a storm in China, qu'il y avait un orage en Chine dont on pouvait sentir les effets au Cambodge. Did he explain what he Est-ce meant? Qu'il a expliqué ce qu'il voulait dire par là, par cet orage en Chine? I was réponse. Referring about je faisais the référence fighting. Au combat. I was talking, I was comparing, je comparais I was talking about the trees, big trees, ou je comparais cela à de grands arbres growing qui poussaient at the border. Le long de la frontière. The wind was not so strong, but le vent n'était pas très trees fort, fell down. Mais les arbres sont tombés néanmoins. So I made a donc, metaphor at the time. C'était une métaphore que j'utilisais. I tried to convince my soldiers that pour essayer de convaincre mes soldats the trees que bien que fell down, but, les arbres that was because étaient tombés, there was a storm, c'était parce qu'il y avait China. Eu un orage en Chine. I'm still confused about what you meant or he meant. Procureur, je suis un petit peu confus par rapport à ce qu'il a dit. You said vous avez dit that in that conversation, que durant cette conversation, you said the issue is that we started to fight with Vietnam. Vous avez parlé du fait que vous avez commencé à combattre les Vietnamiens. Vous avez dit que les Vietnamiens ne vous avaient pas encore attaqué. And that happened in May. Et qu'il y avait des conflits internes qui ont eu en mai. Was not good, la situation n'était pas bonne maybe some people et je pensais qu'il y avait peut-être des traîtres et donc j'en ai parlé à lui that it could be Pol Pot. Et j'ai dit que c'était peut-être Pol Pot qui nous and avait trahis. Said if Pol Pot et il a dit traitor, que si Pol Pot était un traître, Pol Pot lui aurait dit. So just to be clear,
Juste pour être clair, quand vous avez dit cela, vous parlez d'une conversation que vous avez eue avec Sao Pim à la fin de 1977. Donc c'est avant les arrestations en mai 78, n'est-ce pas? Réponse. The meeting happened before 1978. Oui, ça s'est passé avant 78. It was the time when c'était I left the, quand the, j'avais battlefield. Quitté it le front. The full moon. C'était it la pleine lune. The full moon season. I was sitting et on j'étais a bed sur un lit outside of the house. En I dehors de la maison. Et donc j'ai situations. Parlé de la situation militaire. I said et j'ai dit the situation, que la situation militaire are not good. N'est pas bonne. There may have been a traitorous plan. Et qu'il y avait peut-être une trahison derrière tout ça. He then asked me et il m'a demandé who betrayed qui donc nous a trahis. Et j'ai répondu que c'était Pol Pot. He then, et ensuite, to il a continué that, de me dire if Pol Pot, que si Pol Pot had betrayed, nous avait he would, trahi, if Pol Pot betrayed, he would tell, il him. Lui aurait dit and à I lui, tried to explain to him that the one who betrayed others never disclosed that information ne to révèle them. Jamais cette information. In all of your conversations question, with dans toutes vos conversations avec Sao Pim, est-ce que Sao Pim vous a déjà dit qu'il avait du ressentiment envers Pol Pot et qu'il avait des projets pour renverser ou tuer Pol Pot? Akon. Réponse. Never heard non, je ne l'ai jamais entendu dire cela. C'est-à-dire des projets I de renverser Pol Pot. Non, j'en ai jamais entendu parler. I'm not aware of it. J'en suis pas au courant. It was his own heart and his c'était own thinking. Comme ça qu'il I ressentait les choses. Read his et mind je ne pouvais pas lire me. son esprit. Mais corrigez-moi. Vous étiez donc quelqu'un dans sa famille et il parlait avec vous en pleine confiance. Donc est-ce que vous pensez que Sao Pim était honnête avec vous quand il vous a fait ce genre de confidence? I réponse. Do not think that way. Non. I have a different thinking. Je pense autrement. Family relationship was normal. Bien sûr, nous avons une relation de famille normale. Did not think about whether or not je ne me demandais pas s'il était loyal envers moi ou s'il me trahissait. On ne parlait pas de ça avec lui. Thank you. Well, my question really is getting merci, at whether dit le procureur. Ma question était surtout de savoir si Sao Pim avait un projet secret pour renverser Pol Pot. Et la défense dit cela. Il dit qu'il travaillait avec la défense, avec les Vietnamiens pour cela. Et donc, est-ce qu'il a essayé de vous recruter pour combattre Pol Pot? Akon. Réponse. A while ago, you stated that vous avez dit un peu plus tôt que Sao Pim avait un plan secret with Vietnam, avec le Vietnam. Regarding the public open plan or secret plan, et en ce qui concerne ce projet, j'en suis pas au courant. Not tell me, so il ne m'a pas could dit, I know il m'en a pas that. Parlé, donc comment est-ce que je pouvais savoir it, quelque chose it's normal that, c'est normal were made against one que another. Des accusations aient été portées just contre l'un et l'autre. I didn't say procureur, that he had a plan. Je n'ai pas dit qu'il avait un plan secret. C'est pas ce que j'ai dit. Ça a peut-être été traduit comme ça, mais c'est pas ce que j'ai dit. Donc, pour que nous soyons clairs. Now, maintenant, est-ce que vous avez déjà vu des Vietnamiens qui ont été capturés par votre régiment, le régiment 156, ou par d'autres régiments de l'armée du Cambodge démocratique? Akon. Réponse. I never saw it. Non, jamais.
I never witnessed the arrest. Je n'ai jamais vu des arrestations. I myself did not witness the arrests. Personnellement. How about did you ever see Question. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui s'enfuyaient du Vietnam, c'est-à-dire des civils ou peut-être des anciens soldats sud-vietnamiens, des soldats anticommunistes, est-ce qu'ils sont venus dans votre région pour chercher à se réfugier au Cambodge? President, le président. Turkish soldiers. Pas des soldats Turki. Turcs. Des soldats Turki, sud-vietnamiens. Thank you, Mr. President. Akon. Merci. Rừng mấy khiêm của mình cho bà hát đây. Thank you. I do not know. Je ne sais pas. Know how to explain. Je ne sais pas comment vous expliquer. You asked me. Vous m'avez demandé. About the period of vous m'avez posé des questions sur la période de 1970. Yes, there were. Oui, effectivement, il y avait des soldats sud-vietnamiens qui arrivaient chez nous. That's my fault. I wasn't oui, c'était ma faute. Je n'étais pas assez précis. Period. Laissez-moi vous donner l'échelle de temps précis. Donc, je parle du moment quand vous faisiez partie du régiment 156. Donc, on parle donc de 1976 jusqu'à la fin 78 ici. Donc, quand vous étiez dans le régiment 156 et dans la zone Est, est-ce que vous avez vu des gens qui fuyaient le Vietnam, ou des civils, ou des soldats sud-vietnamiens, des soldats donc, qui avaient été vaincus par les Nord-Vietnamiens, est-ce qu'il y en a qui sont donc venus au Cambodge, chez vous? Non. They did not flee. Ils ne s'étaient pas enfuis. To that location. Ils ne sont pas venus chez nous. I did not know if they fled to other locations. Je ne sais pas s'ils se sont enfuis vers d'autres endroits, mais pas chez nous. Okay, let's go to the 25th of May. Maintenant, parlons du 25 mai 1978. Ce jour-là, vous nous avez parlé, nous avez dit que comment vous avez été informé des arrestations massives de commandement. Par exemple, Pan, qui a été blessé au bras, qui s'est échappé, vous en a parlé. Et à l'époque, est-ce que vous aviez la possibilité d'entrer en contact avec d'autres forces de la zone Est par radio, par télégramme ou par messager? Réponse. Allow me to briefly Laissez-moi vous expliquer tout cela un peu en oui. Rapidement. Donc nous combattions contre les Vietnamiens. Donc les forces de la zone Est, c'est-à-dire combattaient les Vietnamiens. And et forces from the les central zone, forces from de la zone centre, battalions up to divisions, les bataillons et les divisions, were convened. Were invited to a meeting at Caen. Été appelés All à une réunion à Caen. To a meeting. Et I mean ils sont tous venus à la réunion. And only I, et seulement did moi not go to attend ne the suis meeting, pas allé à cette réunion I, was to puisque stay je devais rester front. Au front. In fact, the et d'ailleurs, to the meeting, l'invitation à cette réunion was not real. They were n'était all pas réelle. Arrested. Ils ont tous été arrêtés, c'est tout. Tous ceux qui sont allés. There was a man il y avait quelqu'un platoon, du peloton qui s'appelait Som de mon peloton et on lui a demandé de s'agenouiller devant un puits et Som a vu donc le puits and jumped all across the well and et a sauté au-dessus du puits ran away. Et s'est enfui. Fire was a shot on lui a tiré and dessus, got injured in il a été hand. Blessé he à la main. Fled, to see me il s'est enfui vers moi that, et il m'a dit que they called those people to be killed. Ils ont appelé ces gens pour qu'ils soient tués. That, quand j'ai compris cela, j'ai demandé à tous mes soldats de venir à une réunion all of them et tous had been,
arrested avait and été killed. Arrêté et tué. And at the time, some of et the platoons, certains pelotons, did not agree with me n'étaient pas d'accord avec moi, in the attacks. Ne voulaient pas participer the au combat. The traitorous plan occurred at the time. Et c'est comme ça qu'il y a eu la trahison. I convinced et them to engage in the fighting against the soldiers, against the forces from the central zone. De la zone centre. They, some of them disagree, and certains I had to decide and convince those who wanted to go to the jungle with me. D'aller dans la forêt avec moi. The other soldiers, et j'ai dit aux 300 soldats qui étaient là de venir avec moi. Et nous sommes venus dans la forêt pour effectivement attaquer les forces de Pol Pot. President. Thank you. Président, merci. It is not time for le moment break. Est venu pour une pause. La pause va prendre une pause jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Huissier d'audience, veuillez amener le témoin à la salle d'attente et veuillez le ramener au prétoire à 3 heures.